Bonjour, sur Télétricotin aujourd'hui, nous allons vous montrer deux nouveaux produits, de nouvelles couleurs et des produits qui vont durer très longtemps. Vous allez pouvoir les regarder en vrai, presque, avec la vidéo qui est quand même un petit peu plus facile et plus facile de se rendre compte qu'avec une photo statique. Donc voilà la merveille aujourd'hui qu'on vous présente. Ça, c'est de la soie, qui est de la soie en mèche, qui va être utilisée pour le filage ou pour le feutrage. Vous allez pouvoir la filer ou la feutrer, ajouter à quelque chose, ou la filer telle qu'elle, ou la mélanger avec quelque chose d'autre. Cette soie, elle est très très brillante, elle a des longues fibres, elle est vraiment magnifique, c'est de la soie de couleur extrêmement chatoyante. Vous allez pouvoir découvrir la carte de ces coloris sur notre site tricotin.com dans la partie fibres, teintes, et vous allez aussi pouvoir les découvrir en vrai si vous le souhaitez, si vous êtes un artiste textile, si vous utilisez beaucoup différentes couleurs. Il est très intéressant de posséder le catalogue avec la palette de chez DHG, c'est la soie de chez DHG. On vous propose d'acheter le catalogue, c'est-à-dire d'avoir absolument toutes les couleurs de la palette que vous utiliserez et pour la soie et pour le mérinos et pour toutes les différentes fibres que vous trouverez dans la boutique. Donc aujourd'hui, je voulais comparer la soie, 100% soie de Chine, avec du coton d'Égypte, absolument magnifique. Et alors ce coton, la première fois qu'on a reçu les échantillons, on les a reçus pas à côté de la soie, mais on s'est demandé si c'était pas de la soie finalement, parce qu'il est extrêmement brillant. Vous allez voir, si vous avez déjà acheté du coton avant, vous allez être très étonné par la brillance et le côté vraiment soyeux de ce coton. Le coton, c'est une matière qui est pas facile à filer, mais à la fois très amusante. Pourquoi ? Parce que les fibres sont plutôt courtes. Alors ça, c'est un coton avec des fibres particulièrement longues par rapport au coton que vous pourrez trouver sur le marché. Donc il est plus facile à filer que beaucoup de coton que vous trouverez. Mais il reste avec des fibres qui sont des fibres très fragiles, très fines. Et donc il faut avoir des mouvements qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus rapides. Il faut avoir un rouet rapide. Le mieux est d'avoir même un épinglier avec une option dentelle ou un rouet dentelle. Et vous n'aurez aucun problème. Ou une charka indienne, c'est parfait pour filer aussi le coton. Donc voilà, là vous avez du coton. Là vous avez de la soie. Et ce coton, il est particulièrement brillant. Et cette soie, elle est particulièrement chatoyante. Voilà, c'était les produits mèches teintes de chez DHG. En soie et en coton. À bientôt !